revenait de la plage. Lui revenait des pâturages. Il aime tellement regarder les étoiles que déjà il s'appelait Jean. Alors c'était évident. Au village, tout le monde l'a surnommé Jean de la Lune. Tout est point de vue, tu es d'accord? J'ai une idée. Regarde. On est debout là. Et bizarrement, quand on est debout, on a l'impression que la Terre est sous nos pieds. Et ouais, la Terre est sous nos pieds. Et très souvent, on pense que le ciel étoilé est au-dessus de nos têtes, que l'air est au-dessus de notre tête. Mais l'air, en vérité, ça commence au ras du sol. On marche dans l'air. On a juste la plante des pieds qui touche un peu la Terre. Et puis, quelqu'un qui serait dans l'espace, dans l'infini sidéral. Il est ni au-dessus, ni au-dessous, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Il est, c'est tout. Tout est point de vue, vous voyez. Et tout est tellement point de vue que, si debout on a l'habitude de considérer la Terre sous nos pieds et le ciel au-dessus de notre tête, si on s'allonge, et bien si on s'allonge, la Terre, elle est dans notre dos, et devant nous, l'infini du ciel étoilé. Si je lance un pied et un deuxième, est-ce que par hasard, je pourrais marcher dans les étoiles? Mais qu'est-ce qui se passe? A dit Jean. Il y a quelqu'un? Qui a parlé? C'est moi. Ou toi, ou nous. C'était autant, je sais pas, très ancien. Où les premiers peuples, une fois l'an, s'enfonçaient dans la forêt. Ils savaient une clairière où ils se rendaient. Un long cortège, hommes, femmes, enfants, vieillards. Ouais, c'est vrai que on a tout perdu du savoir des anciens, mais de nous, dans la mémoire de toutes ces petites cellules qui nous constituent, il y a la mémoire du monde. Alors, on va tout recréer. Joli ton histoire, a dit Jean. C'est bien joli, ouais, c'est joli, quoi, mais ça nous amène nous tout ça. Au-delà de tous les possibles. Viens, je t'emmène avec moi à travers le temps. Mais nous pouvons voyager dans le temps. C'est exactement ce qu'a raconté le compagnon de Jean. L'histoire de cet homme qui vendait des montres dans une rue obscure du vieux Paris. Tu as raison. Tout le monde court après sa chance. Et d'ailleurs, on peut courir de plusieurs façons. Tu viens de découvrir que tu peux voyager dans l'espace, voyager dans le temps. Mais tu es même libre de vivre. Le don d'ubiquité, te diviser, être ici, oui, et là, ou là, oui, à Dijon, c'est génial, ça, comme invention. Mais ça nous mène où, tout ça? Eh bien, ça nous mène au-delà de tous les possibles à faire. Dans ta vie, toi, là, pour l'ensoleiller. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour mettre du soleil au fond de vos cœurs? Il peut apparaître féerique. L'océan est comme une petite goutte d'eau qui se véhicule. Parfois, les rêves se laissent attraper et ruissellent. Elle ne savait pas qu'à l'instant où elle retournerait à l'océan, elle redeviendrait l'océan, la mer, la rivière, la source, la montagne, les eaux qui courent dans les arbres, dans les fleurs, qui font votre corps, à vous toutes et tous,
qui sont les nuages, la neige, la glace, qui parcourent les souterrains, qui voyagent dans les cieux. La vie, quoi. Tout en une seule fois. C'est exactement ce à quoi il pensait. Lui, à l'heure où il marche. Putain ! Lui pesait de plus en plus sur les épaules. À ce moment-là, qu'il a regardé derrière lui. Dans le sable, il lui semblait voir cette histoire des traces de compagnons qui marchent à côté. Et non, il n'y avait qu'une seule trace de pas. La sienne. Mais chaque trace de pas était vêtue d'un grand voile doré qui reflétait l'océan. C'est à ce moment que Jean de la Lune et son compagnon ne sont devenus plus qu'une seule et même et unique personne. Et que Jean de la Lune est redescendu dans sa colline de Panneron pour retrouver ses amis, ses amours et la vie. Je vous souhaite des étoiles dans la tête jusqu'au pied.